Salut à tous, c'est Automatique YouTubeur, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle, un nouvel épisode de la série R Info. Allez, c'est parti pour la première actualité. Et donc vous avez bien vu, je sais pas si vous avez vu, en tout cas, j'espère que l'introduction du début de la vidéo vous a plu parce que l'introduction que vous avez vu au début de la vidéo euh, apparaîtra à chaque début d'épisode de d'R Info. Hein. À chaque début d'épisode d'R Info, vous verrez cette introduction que vous venez de voir là. Bon bref. Allez, maintenant, on va regarder les actualités du trafic aérien guerre Ukraine Russie on fait le point sur les pays qui ont fermé leur espace aérien aux compagnies russes à compter de dimanche donc hier donc dimanche dernier donc les vols les vols russes ne pourront pas passer par 35 pays du continent européen dont la France l'union européenne par la voix d'Ursula Ur, von der Leyen a annoncé une sanction coordonnée c'est comme un mur invisible érigé entre la Russie et l'océan Atlantique. Dimanche le 27 février, la présidente de la Commission européenne, Ursula, Ursula von der Leyen, a annoncé la fermeture de l'ensemble de l'espace aérien de l'Union européenne à tous les avions russes, y compris les lettres privées des, des oligarques. Je sais pas ce que c'est En fin de semaine, de nombreux pays européens ont annoncé ces sanctions. En représailles à l'invasion jeudi de l'Ukraine par la Russie. Ainsi, à compter de dimanche soir, la France ferme son espace aérien aux avions et compagnies aériennes russes, a annoncé sur Twitter le ministre, le ministre délégué au transport Jean-Baptiste Glebarry en milieu de journée. Aux côtés de l'Italie et du Danemark, la France réclamait une coordination européenne rapide sur le sujet, à laquelle Ursula von der Leyen a répondu moscou n'a pas manqué de répliquer bouleversement à son tour bouleversant à son tour les habitudes de dizaines de compagnies aériennes quels sont les pays qui ont fermé leur espace aérien aux compagnies russes en europe le ciel est ouvert à ceux qui connectent les peuples pas ceux qui commettent les agressions brutales a déclaré sur twitter le, président, le premier ministre belge alexander alexander de Croix. Après avoir annoncé au coup par coup cette mesure, les pays de l'Union européenne se sont unis pour interdire globalement aux appareils russes de survoler leur territoire. Le transport aérien de marchandises, les avions militaires et d'aides privés sont concernés par ces interdictions. Les vols russes à destination de ces pays sont donc annulés et ceux en direction de l'Ouest devront faire de longs détours pour contourner cette vaste zone interdite. La plupart des pays ont simplement annoncé l'interdiction de vol. Seule l'Allemagne a annoncé une durée d'interdiction de trois mois à partir de dimanche. Vous avez vu, plus aucun avion russe n'a le droit d'aller en Allemagne pendant trois mois. Hein. Donc trois mois, donc là on est au mois de mars, avril, mai, juin, jusqu'au mois de juin, vous avez vu, ça craint. Hein. Jusqu'au mois de juin, plus aucun avion russe vers l'Allemagne. Peu avant l'annonce française, dimanche, sur France Info, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a précisé qu'il faut veiller par exemple à ce que les Français de Russie puissent regagner la France. Au total, dimanche soir, 35 pays du continent aérien ont fermé ou vont fermer leur espace aérien aux compagnies russes. Parmi eux, le Royaume-Uni, l'Islande, la Moldavie, la Norvège, complétés des pays de l'Union européenne. Le ministre délégué au transport, Jean-Baptiste Lebari, a annoncé dimanche midi, face à l'invasion russe de l'Ukraine, l'unité de l'Europe était totale. En amont, en amont des annonces d'Ursula von der Leyen, 18 des 27 pays de l'Union européenne avaient déjà pris la même décision. L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Irlande, l'Italie, la, Let la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Slovénie et la Suède. Les 9 pays restants de l'Union européenne ont renforcé cette ligne dimanche soir. Chypre, la Croatie, la Grèce, la Hongrie, Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovaquie. Les pays limitrophes de l'Ukraine, B... les pays limitrophes de l'Ukraine, la Bélorussie et la Moldavie ont fermé leur espace aérien, non pas seulement la Russie, mais l'intégralité des autres pays hors continent européen. Seul le Canada, deuxième, seul Canada deuxième plus vaste pays de la planète avait ainsi annoncé, avait aussi annoncé pris cette décision avoir pris cette décision dimanche en fin de journée sur le continent européen les pays suivants toujours acceptent toujours les avions russes la Suisse les Bal, la Suisse et les pays balkans les pays des Balkans l'Albanie Al Bosnie Herzégovine Serbie Kosovo Monténégro, macédoine du Nord. Donc tous ces pays-là, les avions russes ont le droit d'atterrir. Petite parenthèse sur les actualités, donc là, on va sur Flightradar 24, exceptionnellement. Normalement, je ne suis pas censé vous montrer Flightradar 24 pendant euh, la série Air Info, mais je vais vous le montrer quand même. Regardez, donc l'Ukraine, c'est là. Et regardez, alors par contre, l'application bug. Qu'est-ce qu'il me fait, l'application Flightradar Oh, il y a un bug. c'est pas... Je voudrais vous montrer un truc, mais c'est pas sûr parce que ça bug. Ah voilà, ça y est. Regardez l'Ukraine. Aucun avion au sud de l'Ukraine. Vous avez vu là, c'est l'Ukraine. Il n'y a aucun avion. c'est pas du tout un bug, c'est le trafic qui est comme ça. Et regardez tous les avions, passent tous en dessous de l'Ukraine. Regardez au sud de l'Ukraine, les avions, ils passent la plupart. Regardez. regardez, ils passent au sud de la Roumanie, de ça. Les avions font hein, tous un détour. Regardez. Il y en a partout, sauf au sud de l'Ukraine, la Biélorussie et tout. Regardez les avions. Font... Regardez, donc là on voit bien les avions. Donc, tous ces avions-là ne sont pas censés passer au-dessus au de l'Ukraine, mais ils ne peuvent pas regarder. On va cliquer au hasard. Celui-là. Moscou, ah, Moscou. Hier. Hier, vent. C'est où ça, revend C'est ah, en Arménie. Regardez l'avion. Il a obligé de faire le grand détour, vous avez vu. En temps normal, il l'aurait coupé par l'Ukraine, mais là, il a de faire le grand détour. Vous avez vu cet avion-là, le, le trait euh, violet. Euh, cet avion-là, par exemple. San Francisco, Dubaï. Regardez-lui, il a dû faire un gros détour comme ça. Juste pour éviter l'Ukraine. Tous ces avions-là, en fait, euh, sont obligés de contourner l'Ukraine pour rejoindre leur destination. Là. Regardez, celui-là, ça va être Moscou-Istanbul, je crois, ça. Mais pourquoi il bug mon application aujourd'hui Ça bug aujourd'hui, radar. Hein. Vous avez vu Là, on voit bien que les avions suivent, en fait, une déviation. Regardez. Tous ces avions-là, regardez, là, sont obligés de. Euh Dès la 180 à Los Angeles de Dubai, il a oublié de faire ça, tout ce tour-là, alors qu'il aurait très bien pu couper au sud de l'Ukraine et l'Europe. Tous ces avions-là sont en fait en train de faire des détours pour éviter l'Ukraine. C'est triste, mais c'est comme ça. Un avion de la compagnie AB Aviation a disparu au large de Moheli, samedi 26 février à 17h13, actualisé le dimanche 26 février. Bon, ça, c'est l'article. Donc, comme vous avez pu le voir, à cause de la guerre en Ukraine, on ne parle même pas disparition d'avion car il y a un petit avion en parlant d'une petite compagnie aérienne un tout petit avion de ligne on aurait lui là l'avion là c'est celui là c'est un avion de ligne mais un tout petit avion de ligne qui a disparu des écrans radars en temps normal dans les actualités ils en auraient parlé mais à cause de cette fichue guerre en Ukraine ils ne parlent même pas des avions qui ont disparu il y a un avion qui a disparu des écrans radars mais ils n'ont ont même pas parlé les médias ne nous ont même pas parlé à cause de la guerre la compagnie AB aviation a annoncé la disparition du vol du vol Y Y 6, 11 03 faisant la rotation Mo, moroni moéli ce samedi 26 février 2022. Donc, ça, c'est dans les Comores, hein, c'est au large de l'Afrique en fait. L'avion du type Cessna 208B, immatriculé 5HMZA, a décollé de l'aéroport de Moroni à 11h50 et a disparu des radars à environ 2,5 km de l'aéroport de Moéli en mer, précise-t-elle. Des recherches ont été déclenchées et deux cellules de crise à, pour l'aéroport, pour l'accueil des familles et des passagers, sont installées à l'hôtel Le Retage Moroni à la Grande Comore et à l'aéroport de Bandar Salam à Mohéli. Samedi, en fin de journée, des débris de l'appareil auraient été repérés en mer. Les recherches se poursuivent ce dimanche matin. Donc, dimanche, quoi. D'après Comore Info, 14 passagers étaient présents à bord. Le numéro suivant est à la disparition des familles des passagers. Bon, ça, on s'en fiche. Donc c'est un petit avion comme ça. Donc ça c'est les petits avions en fait, les petits avions qui font les. C'est des petits avions qui font qui font en fait la navette entre plusieurs îles en fait. que là bas c'est des petites îles. Là bas c'est vraiment des toutes petites îles et euh, qui dit petites îles dit euh, pas beaucoup d'habitants et pas beaucoup d'habitants dit un petit avion comme ça. Un petit avion comme ça suffit pour faire la navette entre les îles regardez. Et c'est un avion de ce type qui a disparu apparemment. AB Aviation a deux avions. Celui qui a disparu et un avion de 20 places qui dessert aussi Mayotte. Vu, ils vont même Mayotte. ils vont même à Mayotte, les avions de AB Aviation. Je ne connais, connais même pas cette compagnie aérienne. Hein. Je viens à peine de la découvrir, là. Bon, je vient à peine de la découvrir en cherchant les actualités de l'aviation. Eh ben. En enfin, fait, ils ont deux avions, la compagnie AB Aviation. Hein. Bien qu'il ne fait plus de rotation avec l'île au parfum depuis une dizaine de jours. L'avion qui a disparu a affecté aux rotations entre les trois îles de l'archipel, Moroni, Anjouan et Moélie. Le dernier crash survenu au large des Comores remonte au 30 juin 2009. L'airbus de la Yémenia s'était abîmé en mer au large des Comores, faisant 152 victimes sur les 153 occupants. Seule une jeune franco-comorienne alors âgée de 14 ans, Baya Bakari, ah oui, j'en ai déjà entendu parler de cette histoire. J'en ai déjà entendu parler de cette histoire qu'il n'y avait qu'une seule femme qui a. Il y avait juste une femme qui avait. Une, une passagère qui a survécu à cet avion, parce que, à ce crash, parce qu'il y avait 152 victimes sur 153 passagers. C'est la seule passagère qui a survécu au crash. Baya Bakari avait miraculeusement survécu. Parti de Paris ou de Marseille à bord de la 330 récent, les passagers avaient changé d'avion au Yémen pour un A310, vieux de 19 ans. Oui, il, y avait juste une, il y avait juste une personne qui a survécu, qui avait survécu sur les 153 passagers. Il n'y a qu'un passager qui a survécu. Et c'est euh, une dame qui. Une fille qui était âgée de 14 ans à l'époque, qui s'appelait Baya Bakari. Voilà. Donc voilà. Encore la guerre en Ukraine, décidément. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé dans les actualités de. Dans les actualités d'Air Info, malheureusement, il va y avoir beaucoup. On va beaucoup parler de la guerre en Ukraine pendant les, les prochains épisodes. Pendant les prochains épisodes de la série Air Info, on va beaucoup parler de la guerre en Ukraine. Je suis désolé, malheureusement. Je n'ai pas le choix parce que quand je cherche les actualités de l'aviation, la plupart des actualités concernent la guerre en Ukraine. Donc, je n'ai pas le choix, malheureusement. Donc, je suis obligé de vous en parler tout souvent, malheureusement. Donc, dans, pendant sûrement les trois prochains épisodes, à peu près les, les trois prochains épisodes d'Air Info, parce que Air Info, ça c'est tous les mardis. Pendant certainement les trois prochains épisodes d'Air Info, on va beaucoup parler de ça malheureusement. Pendant au moins tout le mois de mars. Hein. Pendant au moins tout le mois de mars, on va beaucoup en parler de ça. Je n'ai pas le choix parce que quand je cherche, des... quand je cherche les actualités de l'aviation, on... on retombe à chaque fois sur le même sujet. Hein. Enfin bref. L'Antonov 225, est l'avion le plus gros du monde, une fierté ukrainienne, a été détruit par des frappes russes à temps après dimanche 27 février. Donc vous avez vu, le plus gros avion du monde, l'Antonov a été... Euh... A été, euh, il y a, eu, a été incendié par la Russie, voilà, à cause de la guerre. Donc voilà, donc, euh, le plus gros avion du monde a disparu désormais maintenant. Voilà, fini le l'Antonov, c'est terminé. Le plus gros avion du monde, le cargo Antonov 225 ukrainien, a été détruit par des frappes russes sur un aéroport près de Kiev, au cœur de durs combats. A annoncé dimanche 27 février, le groupe d'État Ukroborumboum, je sais pas comment ça se prononce. Les envahisseurs russes ont détruit le fleuron de l'aviation ukrainienne. L'Antonov 225 à l'aéroport Antonov à Gostopel, Gostomel où l'appareil subissait des réparations. En plus, il subissait des réparations. Eh ben, donc voilà, terminé. Le plus gros avion du monde, malheureusement, c'est fini. L'Antonov, c'est terminé. L'Antonov 225, je crois qu'il y a un autre modèle. C'est le 124, je crois. Je crois qu'il y a un autre modèle d'Antonov euh, qui est similaire, un petit peu plus petit. Il y a un autre modèle d'Antonov qui est un petit peu plus petit, mais qui est quand même énorme. Mais lui, il n'a pas été détruit. Mais par contre, le plus gros, le 225, c'est vraiment le plus gros. Il y a plusieurs Antonov euh, similaires à celui-ci. Il y a plusieurs Antonov qui sont similaires à celui-ci, mais qu'ils n'ont pas été détruits. Mais le plus gros, le 225, a été détruit par la Russie. Et ben voilà. Il y a plus le plus gros avion du monde n'existe plus désormais parce qu'on avait qu'un. Il n'y avait qu'un Antonov 225 dans le monde. Enfin bref. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve mardi prochain pour un prochain épisode de la série R-Info. Pendant ce temps-là, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne semaine. Allez, bye bye tout le monde.